Battu au Parc des Princes, 1-0 au match aller, le Paris Saint-Germain doit absolument s'imposer, renverser, vaincre tout simplement le Bayern Munich dans son stade de l'Allianz Arena pour espérer atteindre les quarts de finale de la Champions League. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Messieurs les joueurs, respectez vos couleurs, vos supporters, votre blason, votre maillot, votre club, mais surtout ayez une âme ce soir. Vivre ou mourir ce soir pour le Paris Saint-Germain. On va regarder la composition de Julian Nagelsmann. Et dans les buts, on retrouvera le Suisse, l'international suisse, Yann Sommer, De Ligt, Upamecano, Gravenberg en défense centrale, Coman, Cancelo en piston, Koreska, Kimmich en milieu récupérateur, Moussiala, Leroy Sané en soutien du Camerounais, Maxime Choupo-Moting. On va regarder maintenant la composition concoctée par Christophe Galtier. Et retour avec un 3-4-2-1 du début de saison. Et on retrouvera l'Italien dans les buts. Donnarumma dans l'axe. Ramos, Marquinhos, Kimpembe en piston. Nuno Mendes, Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti, meilleur récupérateur. Neymar Junior, l'Argentin Lionel Messi en soutien du prodige français Kylian Mbappé. Et c'est parti pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Il faudra être immense, grandiose. Faites-nous vibrer. Oh là là, ce tacle là, appuyé là sur l'international français. Et premier carton jaune de cette partie pour le néerlandais De Ligt. Ah non, c'était sur. Excusez-moi, hein, c'était sur le Marocain. Achraf Hakimi, et ça va donner un coup franc pour le club de la capitale. Neymar qui va le frapper, alors est-ce qu'il va le mettre dans la boîte? Non, il préfère s'appuyer sur son capitaine Marquinhos pour Hakimi qui va essayer de décaler Lionel Messi qui sera un peu court là pour récupérer ce ballon. Bon pressing là de Danilo Pereira, mais ce ballon est récupéré par les Munichois. Comment Gravenberg, le Batave qui va rejouer sur comment. Comment qui va accélérer, attention, attention, comment là il est face à Hakimi qui a pu pousser ce ballon en touche. Koreska, comment Koreska, comment il va revenir derrière sur Gravenberg directement dans les pieds de Hakimi qui va prolonger ce ballon à l'Argentin Lionel Messi qui va fixer ou pas Mécano, il va retrouver dans l'axe Neymar Junior qui va fixer peut-être la frappe du Brésilien. L'ouverture du score du Brésilien Neymar Junior, c'est là qu'on l'attend le Brésilien, dans ce genre de rendez-vous capital, c'est l'ouverture, ils ont fait le plus gros les Parisiens. On revoit Neymar Junior qui ajuste le portier suisse, Yann Sommer qui est trop juste, ça passe sous les jambes du portier munichois. 1-0 pour le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Ah, ils ne pouvaient pas mieux commencer. Là, les Parisiens. Et récupéré par Kylian Mbappé. Mbappé qui va décaler Lionel Messi. Messi toujours, la Pulga qui est passée. Il essaye de retrouver Neymar Junior. Mais c'est pas précis. Cette passe du champion du monde 2022. Choupo-Moting. Qui va revenir derrière. Sur Kimmich. Verratti qui a essayé de décaler. Mais ça va revenir dans les pieds de Leroy Sané. Attention, ne pas le laisser frapper. Il talonne sur Choupo-Moting. Pour comment qui va décaler Leroy Sané. Pour Choupo-Moting qui frappe. Et l'arrêt exceptionnel, fantastique, de Donnarumma. Qui vient sauver la maison parisienne. 13e minute de jeu. Et le Paris Saint-Germain pour l'instant tient sa prolongation.
Mais il reste énormément de temps là. Donc restez concentrés, attention à ce corner pour le roi Sané qui décale de la tête et la bonne sortie de l'Italien Donnarumma. Qui va rassurer toute la défense parisienne, hein, qui va dégager loin. Mais ça va être récupéré par les Bavarois. Kimmich. Moussiala. Moussiala qui est face à Marquinhos. Moussiala qui tente de déborder. Il ne peut pas centrer là. Moussiala, il est bien pris par le capitaine parisien. Et c'est directement dans les pieds de Messi qui va prolonger ce ballon. Ah, Mbappé! Mbappé qui se met face au jeu. Il est tout seul, Mbappé. Il va falloir accélérer. Non, il préfère décaler. Danilo Pereira qui remet au prodige français. Mbappé! Mbappé toujours! Mbappé! Qui remise à Neymar! Mbappé la frappe! C'est contré. Ça revient sur Yann Sommer. Gravenberg. Le Néerlandais qui va rejouer sur son capitaine, Kimmich. Le roi Sané qui remet sur Kimmich, qui a prolongé le ballon dans l'axe, sur Choupo-Moting qui peut servir Moussiala, mais qui est bien pris par Sergio Ramos. Mais ce ballon est toujours allemand. Mais ils se battent, les Parisiens, avec ce ballon-là, peut-être ce contre avec Lionel Messi. Messi, Messi qui va fixer la défense bavaroise. Il va écarter sur le Marocain Hakimi dans la surface d'opération. Hakimi, la frappe à côté. Cette frappe de Hakimi et l'arbitre qui revient sur le sur un carton jaune, hein, sur Kylian Mbappé. J'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Ah oui, ce tacle par derrière sur le roi Sané de l'international français. Attention, attention là. Yann Sommer qui va dégager loin. Sur Choupo-Moting qui va décaler de la tête, mais ça revient sur Marquinhos. Kimpembe. Marquinhos. Danilo Pereira. Mauvaise passe directement sur João Cancelo, le portugais qui va retrouver le roi Sané. Le roi Sané qui talonne, mais belle interception là de Kimpembe qui peut relancer sur Mbappé qui va décaler Lionel Messi. Et l'Argentin qui donne directement sur Gravenberg. Kimmich, Choupo-Moting qui va décaler. Koreska directement sur Verratti, mais Verratti qui remise ce ballon pas correctement. Ah, la frappe derrière! Attention, cette frappe de Jamal Moussiala. Une super barrée là de l'Italien Donnarumma. 31e minute de jeu et toujours le Paris Saint-Germain qui mène ici à l'Allianz Arena. Un but à zéro grâce à Neymar. Le roi Sané qui va perdre ce ballon, c'est récupéré par Nuno Mendes. Énorme au match aller, Nuno Mendes. Allez, allez, il faut monter là, maintenant il faut accélérer. Il faut accélérer, Nuno Mendes, non, il attend du soutien. Il va pouvoir remettre sur Lionel Messi qui retrouve Kylian Mbappé. Mbappé toujours, Mbappé qui protège bien son ballon. Il attend du soutien avec Lionel Messi. Messi qui va peut-être accélérer, Lionel Messi. Il lui redonne ce ballon à Mbappé. Mbappé qui essaye de retrouver le Brésilien Neymar. Il ne le trouvera pas. Et ça serait bien là, que les Parisiens mettent ce deuxième but. Moussiala. Le roi Sané. Le roi Sané, attention, il est tout seul. Il n'est pas attaqué, le roi Sané. Il va changer complètement de l'autre côté. Sur João Cancelo qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Bon retour là de Nuno Mendes qui peut remettre sur Sergio Ramos qui revient sur Donnarumma qui va dégager loin. Il essaie de chercher Neymar mais il est pris de la tête par Dayo Upamecano. Kimmich. Le roi Sané. Moussiala qui va décaler Koreska. Attention, ce ballon profondeur pour Coman. Et la bonne sortie de Donnarumma. Heureusement, attention, attention. Ne pas prendre ce but juste avant la pause. Du côté des hommes de Christophe Galtier. Oh, super intervention de Mbappé. Il faut accélérer là, Mbappé. Mbappé, Mbappé. La frappe de Mbappé directement dans les bras de Yann Sommer. Quelle occasion là pour le Paris Saint-Germain. Il aurait pu s'avancer là. Le prodige français, attention, Moussiala, Moussiala qui garde ce ballon, Moussiala, il est au 20 mètres, il tente sa chance, mais c'est bien capté par Donnarumma et l'arbitre qui siffle la pause sur ce score de 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain qui mène ici à l'Allianz Arena. Pour l'instant, ça leur permet d'arracher cette prolongation. Puisque, je le rappelle, les Parisiens s'étaient inclinés au Parc des Princes. Et là, ils reviennent à hauteur des Bavarois. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps.
pour ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, pour l'instant, mène un but à zéro. Lionel Messi, Messi qui garde ce ballon, il est face à De Ligt et récupéré par le Néerlandais. Messi est là. Comment ? Dans l'axe pour Choupo-Moting. Choupo-Moting toujours. Choupo-Moting qui va décaler le Roi Sané, qui va changer complètement de l'autre côté sur Coman. Ne pas le laisser déborder. Là, Coman qui retrouve Moussiala, qui va décaler le Roi Sané dans la surface d'opération. Ça revient dans ses pieds. Il s'est dégagé par Danilo Pereira, loin devant. Il essaye de retrouver de Kylian Mbappé, mais il ne le trouvera pas. Ça va revenir du côté allemand. Avec attention, Choupo-Moting pour le Roi Sané. Sa frappe est contrée. C'est récupéré par les hommes de Christophe Galtier, mais récupéré par les Bavarois, mais récupéré par le pressing de Nuno Mendes, qui va retrouver Neymar Junior, qui retrouve Mbappé, Neymar Junior, côté gauche. Il va accélérer. Il est face à Upamecano. Il retrouve Mbappé, qui ne peut pas frapper. Peut-être en deux temps, il va décaler Marco Verratti, qui retrouve Hakimi, qui ne peut pas frapper. Bien défendu par De Ligt. Kimmich. Goretzka, bien pressé par Marco Verratti, mais ça revient dans les pieds de l'Allemand. Kimmich, le Roi Sané, Joao Cancelo, le Roi Sané, Kimmich, bien pris là par Mendes. Allez, il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Parisiens. Nuno Mendes qui garde ce ballon, il a trop tardé à donner son ballon là, le Portugais. Et ça va donner peut-être une occasion là pour les hommes de Julian Nagelsmann. Attention, ce ballon profond, d'approche pour Moting dans l'axe, pour Musiala qui va décaler. Comment ? La parade incroyable de Donnarumma qui vient sauver les Parisiens de l'égalisation allemande. Et changement hein, du côté parisien et bavarois. Danilo Pereira va laisser sa place à l'Espagnol Fabien Ruiz. Et du côté du Bayern Munich, c'est la star sénégalaise qui est rentrée, Sadio Mané. Upamecano, Moussiala, Goretzka, attention, Sadio Mané, et pour son premier ballon, et la bonne sortie du Donnarumma. Attention, ne pas laisser frapper comme ça. Sadio Mané, l'ancien joueur des Reds de Liverpool. Nuno Mendes qui revient dans l'axe. Il va pouvoir servir Marco Verratti pour Lionel Messi. La frappe et la main opposée de Jens Sommer qui vient sauver les Munichois du deuxième but parisien. Et Thomas Müller qui va rentrer à la place de Moussiala. Et du côté du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes va laisser sa place à l'Espagnol Carlos Soler. Et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Lionel Messi le joue à deux avec Hakimi. Hakimi qui est face à Coman. Il va retrouver Neymar au premier poteau. Neymar qui essaye de centrer. Ce sera un second corner pour le Paris Saint-Germain. 67e minute de jeu. Et toujours les Parisiens qui tiennent leur prolongation. Pour le moment, on revoit cette frappe du septuple ballon d'or et la main opposée de Yann Sommer. Ah, ils sont bien là, les Parisiens, dans ce huitième de finale retour. Neymar, il le joue à deux là, les Parisiens. Neymar qui va rejouer dans l'axe sur Sergio Ramos qui essaye de se battre, mais il va perdre ce ballon. De Ligt, Sadio Mané, ça joue vite du côté allemand. Thomas Müller qui va retrouver Sadio Mané qui cherche une solution. Il va changer complètement l'autre côté sur Joao Cancelo. Il va revenir dans l'axe sur le Roi Sané. Le Roi Sané qui revient sur Sadio Mané. Bien récupéré par Sergio Ramos qui est contré, mais ça revient dans les pieds de l'Italien. Marco Verratti qui peut retrouver Mbappé. Mbappé qui va retrouver Lionel Messi dans l'axe pour Neymar. Qui va retrouver Lapulga. Lapulga qui se bat mais qui va perdre le ballon. Thomas Müller qui va jouer en profondeur. Attention, Sadio Mané qui va décaler dans l'axe. Le Roi Sané qui frappe et la parade exceptionnelle de Donnarumma. Mais ça va être un corner pour les hommes de Julian Nagelsmann. Attention, on est rentré là dans le dernier quart d'heure de ce huitième de finale. Ne pas craquer maintenant. Sadio Mané dans la surface d'opération. Sadio Mané qui frappe ses contrées. Ça va être récupéré par les Parisiens. Neymar, là il a de l'espace. Là Neymar, le Brésilien. Neymar s'appliquer sur ses remises. Papé, Messi qui va fixer ou pas Mécano. Messi qui est contré, ça va être récupéré par les Munichois, avec Coman qui est face à Kimpembe. Il va retrouver dans l'axe Sadio Mané, mais c'est récupéré par les Bavarois, même si les Parisiens avaient bien contré ce ballon. Goretzka, Kimmich,
Kimmich qui arrive à se retourner, attention, ne pas le laisser frapper. Kimmich là, le capitaine Munichois qui tente sa chance. Oh attention, Lionel Messi là qui reste au sol. Il se tient le genou. Attention, ouais, l'arbitre appelle les soigneurs là du club de la capitale parce qu'il a l'air de souffrir là. L'Argentin sur cette faute de l'international français Dayo Upamecano. Alors est-ce que Christophe Galtier va le sortir et Kingsley Coman va sortir du côté du club bavarois. Ismaël Garnaby va rentrer du côté du Paris Saint-Germain. Ah, il est blessé, il a l'air blessé, hein, Lionel Messi. Ah, ce sera un coup dur là pour le club de la capitale. Il faut tenir. Là, il y a 8 minutes, 8 petites minutes à tenir là pour les Parisiens. Il faut absolument tenir et pourquoi pas marquer ce deuxième but, ce ballon là pour Kylian Mbappé. Ça revient sur Fabien Doris. Au-dessus, cette frappe de l'ancien Napolitain. On revoit, il contrôle bien ce ballon, il enclenche sa reprise du pied gauche. Et ce ballon qui vient fuir à la barre transversale de Yann Sommer. Tout heureux de voir ce ballon passer au-dessus de sa cage. Cinq minutes à tenir. Hein, avec les arrêts de jeu, ça devrait faire 8 minutes. Attention à cette relance mal faite du côté du parti. Mbappé ! Kylian Mbappé, tu es la lampe, la lanterne, le luminaire, l'éclairage, le rayonnement de la ville lumière ce soir. La qualification est peut-être parisienne pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Incroyable ce but du prodige français. On revoit ce ballon pour Kylian Mbappé qui ajuste Yann Sommer pour trouver la faille et marquer le deuxième but parisien. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, c'est les hommes de Christophe Galtier qui iront en quart de finale de la Ligue des Champions. Incroyable. Cette relance complètement approximative de Yann Sommer et Kylian Mbappé qui vient éclairer peut-être le club de la capitale. Attention, là, il reste du temps. Ne pas se déconcentrer. Thomas Müller face à Donnarumma. La frappe, il me semble qu'il la touche là, Donnarumma. Oui, il la touche l'Italien. Pour mettre ce ballon d'une claquette au-dessus de sa cage. Mais ça sera un corner là pour les Bavarois. Attention, ne pas prendre ce but. Ne surtout pas prendre ce but. Kimmich. Et bonne sortie pour Donnarumma. Non, pas inquiet. On reste calme. Maintenant, là, Donnarumma, il va dégager loin. Et il faut peut-être garder le ballon. Là, Christophe Galtier sur son banc, là, qui demande à ses joueurs de garder ce ballon maintenant. Kimmich, qui va prolonger le ballon à Leroy Sané pour Sadio Mané. Attention, ce joueur. Et superbe défense, là, de Kimpembe. C'est terminé. La qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Ils l'ont fait, les Parisiens. Ils l'ont réalisé. L'exploit qu'il fallait. Le match parfait. 2-0 pour les hommes de Christophe Galtier. Énorme match des Parisiens qui ont été héroïques ce soir. Voilà comment on construit une histoire en Coupe d'Europe. En réalisant des matchs comme ça. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.